Coucou tout le monde! Salam, Smithy Nael, et ça c'est ma chaîne Muna Jampong Nael. Munhua Jampong Nael. Aujourd'hui, on va parler un peu sur mon expérience au Maroc. Donc voici trois choses que les Coréens ils entendent le plus au Maroc. Numéro 1. Wahed. Oulé 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 chinois. Chouf chinois. Comment? Chouf chinois. Pour les gens qui ne sont pas marocains, ça veut dire chinois ou chinoise en arabe. Et non, si vous ne le saviez pas, je suis coréenne. Oh, la première chose que j'ai appris à dire en arabe, c'était la. Mashi chinois. Anamel kouria janbiya. La. Mashi shemali. La. Mashi bhaibhaib. Numéro 2. Tu connais Jackie Chan? Houya! Oui, c'est mon oncle! Mais pour les gens qui sont un peu plus créatifs, ils ont des alternatives. Jet Li! Houya! Bruce Lee! Oui, mon cousin est le frère de mon grand-père! Comment est-ce que tu les connais tous? Génial! Jackie Chan, il est de Hong Kong, Jet Li est un Chinois singapourien et Bruce Lee, il est de San Francisco, Californie. Oui, il est américain. Et si vous ne rappelez pas, je suis coréenne. Coréenne. Grâce à Psy et Gangnam Style, maintenant, n'importe où j'y vais au Maroc, les mecs ils sont un peu plus précis quand ils essayent de deviner ma nationalité. T'es chinoise, yek? Chinois, ya. La blade japonaise. La machine japonaise anam. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Oui, presque. Je veux seulement rigoler avec vous, mais oui, je suis coréenne, Gangnam Style, Psy. Donc, une chose que vous avez appris sur les Coréens et les choses que les Coréens ils entendent le plus au Maroc. Souscrivez à ma chaîne, Muna Jampong Nael, vous allez voir plusieurs vidéos comme ça. Au revoir, Islama.